Assez comme ça. Thank you.
Elle met la main à la quenouille
doigts prennent le fuseau. Elle étend les mains vers le pauvre. Elle tend les bras au malheureux. Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d'en instruire d'autres. Prends ta part des souffrances en bon soldat du Christ. Dans le métier des armes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile. S'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé, de même, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. Aïe, 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 a
Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents. Deux, un autre, un seul, un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfuit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait 1 seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître, pour un homme à aucun. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez des banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlevera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et de le faire connaître.
C'est une parabole dont l'interprétation peut paraître évidente. L'homme part en voyage. C'est Dieu, le maître de tous les biens. Les serviteurs, c'est nous. Les pièces en argent, ce sont les différents dons de Dieu. Au temps de Jésus, le mot « talent » représentait une mesure de poids. Par la suite, ce mot a obtenu un nouveau sens, qui est proche du sens de l'Évangile. Une capacité ou une attitude particulière à faire quelque chose, un don. Ainsi, les talents de cette parabole ne sont pas seulement de l'argent, mais des dons divers que nous pouvons placer chez les banquiers, comme dit Jésus. Ce qui est remarquable dans cette parabole, c'est le dialogue entre le maître et le troisième serviteur qui avait reçu un seul talent. Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Ce qui est étonnant, c'est que ce serviteur commence à faire des reproches à son bienfaiteur. Non, il ne lui reproche pas le fait que la somme d'argent reçue soit maigre, car un seul talent valait à cette époque une somme très importante, équivalent à 6000 pièces d'argent pur. Il reproche à son maître d'être dur et injuste. Pourquoi s'est-il révolté contre son maître? N'est-ce pas cette vision de son maître qu'il est responsable de son inaction? Il me semble que l'attitude de ce serviteur n'est pas aussi étrange que cela peut nous paraître. Certes, Dieu est notre Créateur et notre Père, mais il est tellement loin de nous tous, des êtres humains. Est-il capable de descendre de son trône vers nous? Comme dans la parabole, il donne des ordres à ses serviteurs, et puis il part. Dieu est très loin de l'homme. Il est au-delà de tout souci humain. Soit-il est inaccessible, soit-il est tout simplement indifférent. Comme dit la parabole, il revient et demande de rendre des comptes. C'est un Dieu qui nous juge sévèrement, qui nous surveille et nous punit pour la moindre chose. Un Dieu qui est incapable de nous comprendre et de nous venir en aide. Malheureusement, cette vision de Dieu existe dans nos esprits tourmentés. Cette attitude méfiante et suspicieuse nous empêche d'entrer dans le Christ, une relation avec confiance, une relation sincère et simple, comme Zachée, collecteur d'impôts,
qui a ouvert grand ses bras, sa maison à Jésus, nous donne un merveilleux exemple. En réalité, Dieu donne beaucoup de talents à chacun de nous. Mais ce qui nous empêche de reconnaître que nous sommes riches, c'est notre égoïsme et aussi notre jalousie envers les autres. Parce que nous pensons que les autres sont plus chanceux que nous. Ils ont reçu plus de talents que nous. Qu'est-ce que c'est le talent dont nous parle cette parabole? Je pense que la pièce la plus importante du talent de cette parabole, c'est le don du salut. Cela me fait penser à la lettre adressée par saint Paul à Timothée, dans laquelle il écrit à son sujet qu'alors même qu'il était un blasphémateur et un persécuteur des disciples du Christ, Paul a reçu la foi et l'amour du Christ gratuitement et en abondance. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Le talent et aussi la miséricorde divine en vue de notre salut est donné généreusement à chacun de nous. C'est pourquoi l'un des moyens d'agrandir cette richesse, c'est d'être reconnaissant envers le Christ pour ce don ultime et magnifique. Placer les talents chez les banquiers, cela veut dire le bénir de tout notre cœur pour tout ce qu'il a, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le sacrifice sur la croix, la mise au tombeau, la résurrection au troisième jour. Placer les talents chez les banquiers, cela veut dire le remercier pour tous ses dons multiples et variés. Notre vie, notre famille et nos enfants, nos amis et nos ennemis, pour tout ce qu'il nous donne, les épreuves et les joies, la santé et la maladie. Nous ne pouvons pas rien faire d'autre pour pouvoir accroître notre trésor de talent que de le remercier en joie. Nous louons et bénissons sans cesse notre Seigneur pour la plus grande gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles et les siècles. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre.
évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, sa tombe et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Gabriel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous des puissants travaux, qui sont plus d'emploi, sans domicile ou en exil sous les routes du monde, prions le Seigneur. L'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les planètes humaines, et en particulier pour Gladys, Isis, Naja, Nora, Eloane, Thiago, Olivia, Rachel, Adam, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résiste à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur soft retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monsieur Vigile, Serein et Surlandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, pour les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce pour les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Gilles, abbé en Languedoc, Saint Sixte, premier évêque de Reims, martyr, Saint Loup, évêque de Sens, Sainte Vérène, Vierge, solitaire en Argonne-Bie, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandant au Seigneur. Pardonne, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Pardonne, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles.
toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés chers frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, pas comme prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu de l'Esprit. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne.
Marche, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du Saint-Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Marie-Noël, Sylvie, Daniel, Laurent, Virginie, Adrien,
Claire, Pierre, Marie, Corentin, Sarah, Yvette, Jean-Luc, Boris, Ghislaine, Serge, Roland, Elsa, Chloé, Frédéric, Eve, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ, notre Seigneur, les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Dieu, Dieu puissant, marque ton souffle à les serviteurs que j'en ai et dans l'ignorité et la sainteté de la terre. Qu'il soit fortifié de tout mal et qu'il te remette, toi, sorte de l'homme, ami de l'homme, le cours éternel, au Père et au Père, à toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Amen. Veillons pour la paix. Kyrie eleison. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons la bénédiction dans notre assemblée, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est à l'esprit de concorde et de conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faire la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Mes frères et sœurs. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons le cœur. Juste, équitable et sage Père, nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Père Saint, tout-puissant et éternel, par le nom de ton Seigneur, qui est l'ombre vers ton peuple, façonnant le jour du mal et du mal des ressemblances, créa les enfants des hommes doués de raison pour servir et amener en compagnie des anges. Par qui les anges ont loué ta majesté, les dominations la gloire, les puissances la crainte, les cieux, vertu des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leur invitation et la conseille. Avec eux, nous t'en prions, d'aller nous mettre nos voix confessantes pour te chanter dans nos confessions. Oh.
descendit des cieux, prit la forme d'une femme, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qu'il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Et du vin, dans nos bras, il le prit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même après le repas, il prit la coupe, dans nos bras, il la bénit, il la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et d'habitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons-le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement jusqu'à son avènement. C'est donc pour faire le bien de la terre et nous rendons pour vous. Le royaume céleste est un champion. Par les toutes choses, bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Père fidèle et béni, et à l'Esprit sanctificateur, combien que l'homme, toute gloire et attention, maintenant et pour nous, Dieu, siècle et siècle. Amen. Ô Dieu, 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 D
Venez sans crainte au banquet de ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ nous trouve à Dieu, qui est l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qu'il vive, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, mais comme l'arbre de ton confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, mon enfant.
Thank you.
pécheurs, frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'il a reçu le cœur sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Et le Saint-Esprit descend sur vous et demeure à jamais. Pardonne-moi, ce que je vous ai demandé.
avons fêté la Saint-Gilles, ce qui est à part en Colombien, il y a d'autres personnes qui s'appellent Gilles. Je crois qu'on en a qu'un. Ah bon. On en a qu'un. Bon, on a fêté. Allez, Kilo. Il n'y a personne qui a osé demander ça, ce que je vais demander maintenant. La naissance au ciel. C'est pas que c'est bien de me le demander. Moi, je suis pressé d'aller le voir là-haut. Humilité, patience, et amour du Christ. Dans le concepteur, Père Gilles, humilité, patience, amour. Amour du Seigneur. Oui, bien sûr. Un plus. C'est une longue vie. La semaine prochaine, parce qu'on est fermé. On reprend samedi soir avec la panéquine. Alors, je reprends. Lundi 2 septembre, Saint Agricole, évêque d'Avignon. Mardi 3 septembre, nous fêtons Saint Mansuy, premier évêque de Toul, et Saint Eugule, abbé de Lérins. Mercredi 4, Saint Marcel, prêtre martyr à Chalon. Jeudi 5 septembre, Saint Généraux, premier évêque de Laon. Vendredi 6, Saint Gognolal, moine de Luxeuil, évêque de Laon. Samedi 7, Saint Hermite, prêtre de Paris. Et dimanche, bien sûr, le 8 septembre, nous fêtons la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Et sûrement, ça sera Père Basile qui la fêtera, qui fera l'office. Les quoi? Ah oui, les nouveaux programmes sont arrivés, ils sont au fond de la guide, si vous voulez vous en servir, vous pouvez les prendre. Voilà. Merci d'être venu. Bonne journée à tous.